Alors, ah, je suis de... bah c'est bon, je suis dans ton. Bah, on est ensemble de toute façon, c'est un peu logique. Mais t'es où toi? T'es mort? Dans un hélico. Ah, t'es dans l'hélico? Ok, bah je monte avec toi. Ah mais ouais, mais par contre tu vas prends peut-être un truc pour anti-hélico. Toujours, j'ai toujours ça sur moi. Moi Parce c'est mon que là boost. ce qui va me servir c'est ça, c'est que j'entends un hélico mais je sais pas où il est. Et je Je le le vois vois pas parce pas. qu'il doit tourner autour de moi en fait. Ah il est là. Non, c'est un Oh pote. le Tu connard! peux le spot? Ok, c'est bon. Wouh! Je vais me le faire. Je vais me le faire cet enfoiré. Ah, viens là toi. Parce qu'il est... Touché. Ouais, c'est moi qui l'ai eu! Bien joué. Bah du coup je récupère. Oh putain, j'ai une grenade. Donc il y a un petit PD qui fait le tower. On a un truc. Tu peux pas réparer? T'es où? Non! Ah bah non mais j'étais pas dedans, j'ai sauté moi. Ah J'ai bon? sauté avec un mec en fait. Putain, il y avait un anti-aérien qui m'a Ça va, niqué. faut pas que je fasse la broutille quand Ça même, c'est hein. rigolo. Le Tunguska, je sais, j'arrive pas à le prononcer ce truc-là. Mais tu sais, c'est le truc anti-aérien là, de base, complètement cheaté. Mais c'est ce qui vient de me tuer en fait. Oh putain. Ah merde, mais je croyais que c'était un pote moi ça. Oh merde, quel con. Je me suis fait démonter par un tank, mais je pensais que c'était un pote moi à la base. Chelou. Chelou le bordel. Alors, t'es où toi? Dans un Je suis tank? dans... Mais tu peux pas me pop sur moi parce que je suis dans un Tunguska, dans un... Voilà. Bah c'est pas grave, je vais te suivre en quad parce que moi je suis un fou. Parce que ça, c'est... Bonjour. Ah oui, c'est un truc anti... Oh! Je crois que tu l'as fait péter. Ah, tu m'as vu? Oui, je suis derrière toi en quad. Ah. Je te suis en quad. T'as Et vu comment le truc il a explosé de je crois que je me force? fais tirer dessus là. Wouhou! Tu tires dessus? Non, c'est bon, c'est bon. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon, Je j'avance. suis plus gros. Allez, faut défendre le point. C'est... Oh putain, le tank! Oh! C'est bon, je suis pas mort, je suis pas mort. T'es pas assez sous, mec. Et par contre, c'est vrai que il faudrait que je fasse un truc, c'est augmenter la luminosité du jeu parce que y a certains moments quand je Oh, suis dans allez l'ombre, hop. c'est un petit peu dur, dur. C'est quoi l'hélico qui est dessus là? Ah bah il a pété. C'est toi qui l'as niqué encore, c'est ça. Oh, étoile de service. Oh. Eh si tu vois des hélicos, tu les spots, hein. J'ai toujours le truc anti-hélico. De toute façon, je joue qu'avec ça, je suis un gros bâtard. En plus, j'ai pris le russe. Bon, faut maintenir la visée, mais il fait plus de dégâts. Oh putain, oh putain. Aïe. Oh putain. Ah Ouh. bah j'ai fait pop. Oh, étoile de service conquête, pourquoi tu sais pas, mais. Mais ça fait toujours plaisir une étoile de service. Ah ouais, ça fait toujours 10 000 points. Tu craches pas sur 10 000 points. Oh le fils de pute. T'es mort. Alors. Merde. Foiré, ben, c'est bien, ça l'a dissuadé au bout. Il a fait 2 000 tours. Oh j'ai un tank, si t'es mort. Oh, je suis pas mort. Je suis pas mort, je vais me faire un hélico. Par contre, moi il y a un truc que je trouve vraiment réaliste dans BF4, tu vois, quand tu prends, tu tires des obus par terre, ça fait des trous. Et ça, c'est trop chiant après les trous. Mais n'empêche que c'est bien réaliste du coup. C'est bien, je trouve, c'est Ah ça. oui, ça fait des trous dans la map, Ça fait c'est des ça que tu veux dire. méga impacts partout. Ouais, Le c'est pire, vrai. c'est les trous de la canonnière volante. Ouais, c'est pas faux. Ils sont immenses, les trous. T'as un gros trou. Oh putain! Ah la salope! Ah merde, pourquoi j'ai appuyé sur le bouton F? J'ai cru que je pouvais lancer une grenade avec. Avec le tank? Non, non, j'étais à pied. Ah merde, J'étais y'a à ma mère pied. qui appelle. Ah, Y'a ça veut ma dire fais daronne. chauffer le four. Ah, t'as pas mangé encore? Non, parce que mon frangin est au théâtre. Oh putain, attends, là, je suis pas moi, je suis à découvert, je suis à découvert. Putain, Bon, salope. je reviens. Wow. Putain, je l'avais pas vu. Eh, j'ai vraiment des problèmes de vue, moi. Pourtant, je suis pas loin de mon écran. Faut vraiment que j'achète un écran plus grand. Eh, si vous pouviez Achète descendre. un écran de 27 pouces. Ça Non, ouais, marche bien. j'achète.
124, 126. Ouais, non, mais je suis pas très loin de mon écran, donc ça sert à rien que j'ai un truc super loin non plus. Moi j'ai deux écrans en fait, j'ai un qui est moi, ok bien, qui est pas excessivement grand. Mais qui est bien. Parti, c'est les guerres. Hein? C'est les guerres. Ah, Desan, derrière toi, derrière toi. Ouais, j'arrive. Je grimpe. Y'a un tank qui a démonté là-bas. Aïe. Y'a un tank, y'a même de l'infanterie. Allez, bousille-le, c'est pas un tank en plus. Moi je peux pas le toucher. Donc... Ouais, oh putain, les points. 427 points. Ah, mais j'ai fait 300 grâce à toi. Grâce à ton gros obus. Obus. Oui, obus. J'ai bugué. Y'a pas un petit mec qui courait là? Non, mais là-haut ça se fait prendre, donc à mon avis il doit y avoir des gens. Logiquement. Bonjour! Sur la tourelle en haut, regarde, y'a personne là-haut. Si, ils sont en haut. Je vois. Non? J'ai cru. Y'a un tank! Tank! Ouais, c'est un gros tank en plus. Eh, le loupe pas, le loupe pas! Oh, mais il fait mal! Attends. Bouge pas, bouge pas! Non! Putain, non! Putain, il manquait un obus. Comment il a pu charger plus vite que moi? C'est quoi? Bah, il a peut-être le recharge auto ou un truc comme ça. Oh. Je fuis, tel un lâche. Parce que je peux rien faire face à lui. J'ai un hélico avec. Tu peux tirer dessus si tu. Ah, ben ah ouais, je l'entends. Ouais, je l'entends. Oh putain, l'enculé, merde, il m'a vu. Bah, du coup, le tank est un peu. Oh, le mec il va essayer de me tuer. À main nue. J'ai cru que c'était la fête du slip. Merde, merde, merde. Oh, je t'ai shooté. Mais t'es pas mort. Allez, allez, recharge, recharge, recharge. Oh là là, je me fais tirer dessus. Je suis mort. En même temps, j'étais un peu tout seul dans la forêt. Oh, ce viol. Un mec, il essaie. Tu sais, je vois un espèce de tank. Enfin, le tank avec les petits boulets là, c'est pas un tank. Je sais pas comment ça s'appelle. Et genre le mec, tu vois, je cours à côté, c'est pour le dégommer avec le chalumeau. Je le vois sortir, je lui prends son tank, je l'écrase. Oh, mais ça c'est moche. Ah, ça c'est moche. Ouais. Le gars, il était en train de mettre du C4 sur le truc avant que je rentre, mais il a pas été assez rapide. Non, non, j'ai plus d'obus. Je l'ai bien touché. Hein. Bien joué. Pas des mecs qui sont sortis. Ah bah t'es avec moi toi. D'accord. Ouais, je suis avec toi. Je me disais, il y a quelqu'un qui tire. On s'est fait reprendre le point. Ouais, mais il y a trop de mecs ici. Il y a des tanks et tout. Il y a trop de tanks quand même. Bah tout à l'heure, il y avait ces deux, je me suis fait tuer parce qu'il y avait le tank. Oh, j'ai des obus. Oh putain, j'ai des obus. Moi aussi, je les ai débloqués grâce à toi. Les U machin là. Hélico, 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 je sais pas où il est. Là-bas. Il est derrière. Bouge pas. Et je peux pas le virer moi. Bon, j'ai touché. Véhicule touché. Est-ce qu'ils veulent s'écraser? Véhicule touché. Ah, Ibrahim, c'est qu'il a un ingé avec lui alors. Bah, moi aussi je l'ai touché pourtant. Ah, s'il sort de là, ce petit PD. Tu veux manger ma roquette, salope? Y a un truc qui me verrouille. Je sais pas où il est. C'est lui. Allez, on le finit là. Putain, mais il a un putain d'ingé avec non, lui. Non, mais il a un ingé ouais, avec lui. Il doit être bien. J'ai plus de munitions. Oh putain, y'a un mec. Moi j'en ai encore. Ah merde. Putain, il est arrivé derrière moi, l'enfoiré. Je sais pas où il était. Petit con. Ah, je l'ai vu, ouais. T'es yo Ruto. Putain, mais j'arrive à tuer personne là, fais chier, je fais du 3-5, c'est naze. Ouais, char, je vais prendre un char un peu là, parce qu'il faut que je fasse du dégât. Tu peux popper sur moi. Oh non! Putain, on m'a piqué mon char, je suis dégueu. Y'a pas beaucoup de joueurs dans cette partie. Mets-toi un petit peu au cas où y'a des mecs qui sont. Aïe 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 aïe. Putain, je fais du 10-5. Ouh. Ah ouais, toi t'as bien géré là. Allez, on prend le point. Alors, où est-ce que t'es toi? T'es où? T'es où? Tu peux sortir s'il te plaît? Merci.
Et où est-ce que t'es? Je suis au point... Je sais plus lequel. ça m'aide. Je suis au point B. Oh putain, il y a des mecs. Hein. Ah oui, je te vois. I see you. Ça fait bélip bélip de y en avoir sur le toit. C'est ce que je me dis, mais je peux pas monter sur le toit. Non, il faut y aller en parachute. Tu peux pas monter sinon. Par contre, tu peux les démonter via la colline. Oh putain, c'est en train de tirer là-bas. Ah, là-bas, il y a un petit bonhomme. Ah non, j'ai cru que c'était un tronc d'arbre. Ah si, je savais bien qu'il y avait un petit bonhomme. Un tronc d'arbre, ça bouge pas. Bah, des bonhommes, des fois, ça bouge pas non plus. Ouais, mais ça s'appelle un campeur après. C'est pas forcément évident. Mais... Oh non, y'a personne sur le toit. Ouais, y'a personne, j'ai regardé aussi, mais. Oh putain, l'hélico. Où ça, l'hélico? Au-dessus de moi. Allez, allez! Allez, touché! Allez, je te touche une dernière fois et je te finis. Ah non, il est descendu. Il a sauté. Ouais, j'ai mis des balles dans la tronche. Oh, enfoiré, je l'ai pas touché. Couvre-moi, l'hélico, couvre-moi. Vas-y, on avance en duo. Il y en a un là-bas, il est dedans le mec. Il y en a deux, je les ai spot. Putain, par contre, on a touché pour. Oh là! J'aime pas quand ça joue à la roquette comme ça, c'est vraiment petit. Quoi. Putain, il y a plusieurs mecs. Oh, je l'ai eu! Ouh, j'en ai eu un. Alléluia. L'autre il est là, mais je sais pas où. Ah merde, putain, j'avais plus de vie, il m'a eu au fusil à pompe. Fais gaffe, il va passer derrière toi, je pense. Putain, il va se faire descendre. Ah, l'enfoiré. J'avais plus de munitions. Oh, j'ai chopé un lance-patate. Cool. Putain, j'ai débloqué le P90 pour le linger, mais il est trop bien le P90. Je l'aime. Oh. Oh. Aïe. Ah bah oui, bah je l'ai vu le fusil à pompe. De très près même. Ah merde, j'ai pris n'importe quoi, c'est mieux. C'est toi qui montais dans l'escalier? Non, pas du tout. Je suis à pied, je cours. Mais je pense qu'on a perdu, il reste plus que 12 tickets pour nous. Ils nous ont mis la misère. Ah oui, oula. Ouh. 10417, ouais, ça fait. C'est ce que j'appelle se faire mettre la misère. Ah oui, ça picote un peu quand même. Hein. Aïe. Oh putain, enfoiré. Ok, là, apparemment, ils ont besoin d'aide. Aïe. What? Tu as mangé mon P90, salope. Voilà. Ça, c'est la puissance. Nya nya nya. C'est toi qui étais en hélico et qui a... Non, c'est pas toi? Non, pas du tout. Putain, mais il y a un hélico, il m'a foncé dessus. Il était à nous, pourtant. Et... J'ai pris trop cher. Il m'a dévié quelque chose de sympa. Oh, j'appuie sur un truc et je sais pas à quoi ça sert. Oh putain, il y a des chars partout, là. Temps, ils ont boosté. Je pense que là ils se disent bon, il va peut-être falloir les finir, il en reste plus 5 tickets les gars. Non. Oh putain. Oh le cul que j'ai eu. Mais c'est énorme, en plus tout ça ça a été filmé. C'est ça qui est magnifique. J'ai vidé 3 balles. Mes 3 dernières balles de chargeur, je pensais qu'il m'en restait plus. Et comme par hasard le mec n'avait plus de vie. Du coup mes 3 balles ont suffi. Mais nous avons perdu. C'est con. Ah, il y a encore le bug. Ils ont pas corrigé ça. Deux. C'est genre quand tu meurs à côté d'une prise de drapeau, enfin quand la fin de partie est à côté d'un drapeau, tu continues à gagner des points. Oh, c'est bien ça. Bah ouais, mais ça n'a pas été corrigé. Char de combat. J'ai débloqué le scanner de proximité, cool. Sur le VCI, j'ai débloqué l'eau. Ouais, moi aussi je l'ai débloqué. Ouais, parce que du coup. La DCA, j'ai débloqué la protection active, je sais pas ce que c'est. Mais il y a des trucs, des fois, je sais pas trop quoi c'est. L'hélico, j'ai débloqué le canon 25 mm. Oh, ça c'est intéressant. Ah oui, canon 25 mm, je pense que ça fait quelques petits dégâts. Ah non. Ah si, non. Oh si, putain, non. Il me manque 100 points pour passer un niveau. Ah merde, c'est con. Ah ouais, bon, c'est pas grave, je l'ai gagné. Mais... Alors, c'est des obus APFSDST. Me demande pas ce que c'est, j'en sais rien. Je pense que ça c'est pas mal. Mais vu la forme, ça a l'air sympathique. Ça a l'air d'être des missiles, tu vois, genre auto-guidés ou je sais pas quoi, des obus. Oh, ce serait stylé, des obus auto-guidés. Ah, tu tires au hasard en l'air, boum.
protection active, en fait, ce serait un espèce de bouclier sur ton char. Ah, c'est ça. En fait, ce serait un truc, si je comprends bien. C'est pas la grille, là, qu'ils ont. Non, ça envoie en l'air une espèce de brouillard, mais en fait, avec des particules ou je sais pas quoi. Et en fait, quand t'as un truc qui arrive dessus, par exemple, un obus, il explose dessus. D'accord. C'est stylé. Bon, par contre, tu prends quand même des dégâts, mais moins. Ouais, il faut être vachement réactif. Un peu. Bah, c'est peut-être plus surtout pour les missiles, normalement, ces trucs-là. C'est la touche X, hein. Ouais, bah d'ailleurs, faut que je change ma touche X et ma touche C pour m'accroupir, parce que chaque fois, je la cherche bêtement. Hein, moi, j'ai ma grenade sur, sur la souris et tout. Ouais, moi aussi, ouais, c'est ce que j'ai fait. Ah, vaut mieux, coup de couteau et grenade sur la souris, au cas où. Coup de couteau, en plus, faut faire gaffe, parce que tu peux contre-cut sur BF4, là. Et tu fais comment, ça? Bah, en fait, faut être rapide. Dès que tu vois qu'on te cut, tu rappuies. D'accord. Moi, des fois, je mâche la touche comme ça. Mais ça fait rien. Ah, mais si tu vois l'animation, c'est déjà trop tard, en fait. Il faut le faire vraiment au même moment. Un moment, il y a un gars qui arrive comme ça devant moi. Il voulait me cut, tu sais, genre, tu lui tires des balles et lui, il vient de cut. J'ai rappuyé, mais genre réflexe. Le gars, il a pris trop cher parce que je lui ai replanté le cut. Et là, tu fais. Ah, et là, t'es content. Ah bah ouais. Bon. Ça charge. Je sais pas. Bah, je suis content parce que j'ai reçu mon deuxième téléphone. T'en as deux maintenant ? Bah non, mais le Nexus, il avait un bug le premier. Donc je leur ai envoyé, enfin je leur ai demandé de m'en envoyer un autre. Et du coup, m'en envoyer un autre, je l'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai tout remis comme il faut, faut que je renvoie l'autre. D'accord. En fait, j'avais un espèce de petit fantôme en haut à gauche de mon écran, c'était pas dérangeant, mais bon, quand t'achètes un truc, t'aimes bien l'avoir parfait, quoi. Surtout, un truc, 400... Surtout un truc à 400 euros. Pourquoi ça charge aussi longtemps que ça ? Mais parce qu'ils ont changé la map entre les deux. Ah, mais putain, là, c'est long, quoi. Bah c'est qu'ils sont changés, ils ont changé la map parce que moi j'ai eu un changement de map entre les deux. J'ai vu la map, j'ai vu la disparaître. Non, moi j'ai un écran noir pour l'instant qui charge. C'est une horreur. Oui, non, là il doit y avoir un souci parce que moi aussi. Je crois que leur serveur a planté. Bien re les amis, c'est Dessan et on se retrouve sur Battlefield 4. Et cette fois-ci, je pense que je vais la jouer en solo. On se retrouve sur le barrage de Lanzhong, en mode conquête. Donc j'espère que ça va bien se passer. Là, c'est du direct live, comme ça, je vous filme ma tête et tout, je suis un fou. Comme ça, vous me verrez en haut à gauche, comme ça, gratuitement. De la gratuité la plus totale. Enfin, bref, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que les petites vidéos en ce moment vous font plaisir. Même si c'est peut-être un peu du brouillon, je sais pas trop où je vais en ce moment, c'est un petit peu spécial. Un petit peu de GTA V, un petit peu de Battlefield, comme ça, c'est gratuit, je sais pas trop. Voilà, je tâtonne, voilà. Y a pas vraiment de let's play, de choses, enfin pas de let's play, mais de playthrough bien spécifique avec des saisons, etc., etc. Je vous laisserai aussi un petit peu de PlanetSide 2, enfin plein de petits trucs comme ça qui vont arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et bien sûr les vacances pour nous tous. Enfin, alléluia, surtout pour moi, ça fait plaisir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de vacances. Ça va faire un peu plaisir, ces deux petites semaines de vacances, là, ouh, je vais en profiter les amis. Je vais vous faire pas mal de lives, je vais vous faire pas mal de vidéos, même si c'est les vacances de fête, et donc du coup, bah... Ça décale un peu, hein, avec Noël, jour de l'an, etc. On est aussi là pour être en famille et entre amis, mais voilà. Bon, allez, c'est parti, on va aller voir un petit poteau, là, on va prendre... On va partir en 4x4, parce qu'on est des malades, parce qu'on est des fous, et qu'on en a rien à foutre. Allez, c'est parti. Donc, toujours un petit peu, quelques bugs de son, je trouve. Merci. Merci, mon ami. Très belle mentalité, la mine, hein, la mine M15 qui fait très très mal. T'es content, t'es fier de toi. Bah tu sais quoi pour la peine? Je vais venir te la mettre, mais bien profond. Alors, je vais juste prendre... oh, je parle mal, c'est pas bien. Alors, on va prendre la CWR, sachant que là, on est plus en... En monde ouvert, on va dire. Et... Bon, on va reprendre un 4x4. Mais cette fois-ci, on va pas se faire rouler dessus. Ça, je... On va... Vas-y, passe devant. Voilà, attends, parce que... C'est bon. On va pas se faire exploser par une mine à la con des noix. Hein, parce que je suis pas... Je suis pas suicidaire non plus. Je suis un fou. Je suis où, là ? Je vois personne. Alors, je pense que c'était un sniper. Ah ah, il y a des petits mecs là. Putain, merde, tu peux pas grimper. On va essayer d'aller les niquer. Au
c'est fait. C'est vrai que maintenant on peut utiliser... Oh putain, dans le dos. Oh non. Oh, dans le dos. Ça c'est... Ah là, j'aime pas ça. Dans le dos, j'aime pas me faire tuer dans le dos. Bon, petit ingénieur, tu t'appelles comment? Elekar. Elekar, ça va être ta fête. Je te le dis. Ça c'est clair. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a plein de... J'ai du mal avec les noms encore. Ce n'est pas l'anti-aérien, c'est plus l'anti... L'anti-infanterie. Et justement, je pense que ça va plutôt me plaire. Surtout avec les petites enfures en face. Essayer de pas rouler sur une mine, hein? Je sais pas ce qu'il y a. Moi j'arrive, c'est tout ce que je sais. Bonjour. Et là je roule sur une mine. Le problème c'est que j'ai peur d'avancer, sachant que... Je t'ai pas vu. Tu te fous le doigt dans l'œil. Est-ce que je vais venir te chercher, moi? Bien sûr, ils s'en doutent. Je sais pas où sont les escaliers. Il n'y a pas d'escalier. Le mec, il est monté comme ça. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Ils ont envie de jouer. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont en haut. Et je sais pas comment ils sont montés. Alors, soit il doit avoir. Oula. On va jouer de la grenade? Ah putain, il est là, l'escalier. Détruisez pas l'immeuble, s'il vous plaît, je suis dedans. Oulala. C'est un peu dangereux. Cet endroit n'est pas sécuritaire du tout. Du tout, du tout. C'est traversé. Le problème, c'est que moi, j'ai rien pour niquer les chars. Je suis plus un ingé pour niquer les hélicos. Or là, il n'y en a pas. Vous n'enlevez pas les Chinois, ne vous énervez pas. Et la dernière fois, je vous ai fait en plus la petite présentation de mes premières impressions de Battlefield. On était sur cette même map. Ah oui, je voulais vous dire, justement, par rapport à ce jeu, je pense que je vais m'acquérir le premium en quelques jours. Ça se trouve, à l'heure où vous voyez la vidéo, je l'ai déjà... Je l'ai déjà pris. Et comme ça, je vais vous faire des petites vidéos sur China Rising. Et puis moi, j'aurai accès à toutes les nouvelles DLC qui apparaîtront, en fait, tout simplement. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu là parce que je pense qu'on va, on va se prendre une petite tôle. Ça a pété. On est beaucoup? Oh non, on est pas énormément. Bon, je fais du 3-2, ça reste positif, c'est... Wow! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un gros code. Oh non, c'est pas ça. N'importe quoi. Bon, j'espère que vous me trouvez swag. Avec ma... Avec mon beau petit pull. Avec mon beau petit pull, mon beau petit casque. Tout est petit avec moi, oui, je sais. C'est comme ça, c'est gratuit. Ouh, je crois que je me fais tirer dessus. J'ai entendu piou-piou.
monter dans les bâtiments, on va essayer de nettoyer un petit peu tout ça. S'il y a des petites salopes qui se promènent. Merde, je savais pas que ça s'ouvrait ça. Passons en bas. Aïe. Oh putain, un chain bomb, rien. J'ai eu peur, je croyais que c'était un compatriote. Je l'entends recharger, à mon avis, il doit être au-dessus en fait. Le problème, c'est que sachant qu'il est au-dessus, je ne peux rien faire. Ah! J'aurais bien été la chercher, cette petite connasse. Si, je sais, à l'extérieur, il doit avoir. Ça va être dangereux, les amis, ce que je fais. Et moi j'aime bien vivre dangereusement. C'est par là. Je sais qu'il doit avoir des échelles en fait. Qui permet de monter tout en haut. Oula! Je crois que ça a pété. Pas loin de ma gueule. Je veux pas mourir bêtement en fait. J'aimerais bien l'attaque. Me le faire avant. Pas d'échelle. Je suis sûr qu'il y avait une échelle ici. Je vais me faire sniper. Je sais pas pourquoi mais je le sens les amis. On se balade, hein. Tranquille et détendu, on se balade. Rien à foutre, on est dans Battlefield pour se balader. Je savais bien qu'il y avait une échelle. Je l'ai trouvé là, l'échelle. J'espère que le mec là-haut, il m'a pas attendu. Parce que sinon, j'ai les boules. Ah. Bah non, le mec, il m'a encore moins attendu, il est déjà mort. Putain. Fuck. Mon pote l'a déjà tué. Ok, on prend le point D. Bande de salopes. J'ai un visuel sur un sniper ennemi, au sud de votre position. Bonjour. Tu fus touché. Putain. Tu te caches. Oh, tu sais pas où je suis. Bonjour, je suis là. Le problème c'est que là, il peut juste me descendre comme il veut. Hein. Il peut se faire plaisir avec mon corps. Putain, le mec il a sauté. Oh non, ah, ça m'énerve les mecs qui font ça. Putain, il est pas mort. Et là, c'est chaud parce que du coup, ils m'ont grillé. Oh, j'en ai eu un. Je suis un fou. Merde, ils sont en train de le reprendre. Ils doivent être plus nombreux que moi. Oula! Oh putain, mais il est dans super bien leur grenade! Oui! Je suis un warrior, mon nom est Rambo! Oulala! Eh, tu me couvres, hein, poteau! Il n'y a que deux en plus dans les squads, comme ça personne peut respawn sur moi encore. C'est bien, il a mis une balise. C'est un bon gars. Font diversion comme ça, il y a un mec qui va monter. Le toit, il est à moi. Je vous emmerde. Sauf qu'on n'a pas le bon. Attention, on a perdu l'objectif Charlie. Ça va grimper, je le sens. C'est du grand n'importe quoi, les amis. Je vous montre un gameplay comme ça. Mon pote, il va se faire descendre. Ok, c'est bon. On va y aller un peu. Non, on va pas y aller. Un couvert! Il m'a pas vu. J'ai remis un peu de renfort. J'ai rien pour le descendre. J'ai même pas du C4.
Je te chatouille. Ah, c'est bon, élimination des squads. Allez, faut le descendre là, on a besoin d'appui aérien les amis, d'appui aérien. C'est un pote. Non, non, c'est un pote. Putain. Merde, c'est un pote. Je tire sur mes potes et tout, moi, tu vois. Ta gueule. Ah, l'enfoiré. Putain, il est bon, lui. Avec son canon 25 mm, là. Il a fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Et surtout de ma fierté. Petit con. No kills, flak only. Ok, toi, t'es mort. Putain, mais ils sont vraiment trop bons, quoi, en face, là, les Russes. J'arrive même pas à tenir une ligne de front normale. Vous vous rendez compte un peu ? On va aller prendre un bateau. On va aller prendre un bateau sur l'eau. Un petit bateau. Allez, c'est parti. Une baie. Vous avez vu la baie ? Je l'ai évité la baie. Je suis un fou. Allez, voilà. Oh putain. Oh putain, la petite salope. Pourquoi, comment je sais qu'ils m'ont grillé tout de suite ? J'ai même pas le temps de faire quelque chose qu'on me tire déjà dessus. Non, 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 non! Oh la vache, m'en fous, tu t'es fait descendre. Ah, c'était le même en plus. Ah putain, lui il m'en veut. C'est pas possible autrement. Soit on est vraiment pas beaucoup. Non, j'allais dire soit on est vraiment mauvais. Mais je crois qu'en fait on est vraiment mauvais. On va prendre haut. Je vais vous balancer le gameplay le plus merdique. Surtout celui-là en plus. Je crois qu'il va me descendre. Je crois que je vais le faire descendre. Ça. Merde, faut le maintenir. C'est chaud à maintenir. Hein. C'est une toute nouveauté pour moi. On va essayer, parce que c'était plutôt pas mal. Faut aller très vite. Il avait pas rechargé ce. Je suis un fou. Merde, j'appuie sur X. Quel con. Putain, mais il est pas mal ce. Allez, on remonte. Non, 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 moi j'ai rien fait. Moi j'existe pas. Wouhou ! Autant se cracher pour quelque chose, hein. Attention. Et vous vous rendez compte, je récupère le point. Allez, grimpe. Regardez comment c'est beau. Je récupère le point normal. Je me suis posé, vous avez vu, très bel atterrissage en plus. Je me suis posé, tranquille. J'ai dit, tiens, faut aller du bout, hein. Tiens, voilà du bout, hein. Et ben regardez, je vais le récupérer, cet enfoiré. Ce petit compte point E. Il est à moi! Qu'est-ce que vous dites maintenant? Je l'avais même pas vu arriver celui-là. Il va se détendre, parce qu'il arrive un peu vite. T'arrives un petit peu vite! Radar! Touché! Et pas con, c'est dommage. Allez. C'est un petit peu chiant comme bruit, hein. Crever les pneus des voitures, non. Les voitures sont en béton armé, donc vous pouvez pas malheureusement faire grand dégâts contre elles. Et oui, c'est la magie du réalisme. Non, ça va, c'est quand même un jeu plutôt réaliste. Vas-y, vas-y, montre le bout de ton nez. Montre le bout de ton hélice. Vache, mais qu'est-ce qu'ils visent bien ces enfoirés? Élimination assistée quand même, c'est déjà ça les amis, il y en a un qui va me contourner, je le sens, je dirais que pour me faire chier. Pareil, vous pariez ou pas? Je suis prêt à parier. Pour après 15 000 balles, regardez-le. Là, la petite salope là, qui commence à traverser. Merde, c'est pas moi qui l'ai. Ah, et regardez. Et le mec, il va toujours dans son viseur. Le mec sait que j'arrive. Le mec ressent. Ressent mon odeur.
l'odeur de mon arme qui va bientôt rencontrer son trou de balle. Oh putain, il y a des petites salopes partout. Commandant, il y a des petites salopes. Télé. On est deux, mon pote. On peut le faire. Vas-y. Viens, on est bien. On est déjà deux. Ok, il y a un mec qui est passé par là. Ça a sonné. Il a oublié d'enlever ses clés de sa poche. Oh! Ils ont hacké le strombinoscope! Le strombinoscope. Je suis pas prêt, ça t'a fait descendre. Bien joué, les gars. Ça, c'est un vrai jeu d'équipe. On s'est fait descendre comme une merde. Alors, vous faites plus les malins là, hein? Oh! J'ai tiré sur ton blindage! Mais ça ne fait strictement rien, du coup, tu vas me descendre. Ça, ça m'énerve un peu. Faut pas le péter, ce machin. Impossible. Ça faisait mal de sauter des escaliers. Putain, oh putain. Il y a des snipers quelque part. Oh, ennemi tué, t'as fait un plongeon. Oh merde, j'ai plus de balles déjà. Oh là là, les balles. Les balles partent vraiment trop trop vite. Ça m'énonce. Il y a du vandalisme. Du vandalisme. Il y a du vandalisme. C'est n'importe quoi. On doit pas faire preuve de vandalisme. Même si c'est la... Ouh, il a été coupé en deux. Même si c'est la guerre. Mais malgré mes conneries, bon, je fais quand même un peu de points et je fais quand même un peu de... Ah oui, bien joué, les gars. On a une bonne vision du jeu. Putain! Mais qu'il est pas mauvais, le garçon! Putain, ce qu'il m'a mis! Bien joué, Schwetzt! Schwetzt! Oh, je vais arriver. Oh non! On défend le point D, les amis, hein! Bon, aïe! Aïe! Chef, je suis bloqué dans un immeuble! Tu vas apprendre à viser, bouffon! Récupère ce putain de point D, les gars, et on le défend. C'est encore l'Elnor. Putain, il y a encore le sniper en face, je parie. Il faut rentrer. En mode stress, les gars. Ok, je vais essayer d'aller couvrir ce bâtiment. Oh putain, j'ai cru que c'était un mec, mais c'est un canon extincteur. Putain, ça court. Ça court, ça court comme des lapins. Allez, allez, allez. Il y a des petits mecs qui se ramènent là. Je le sens. Je couvre la sortie de secours, les gars. Merde, ils sont en train de leur prendre. Oh putain, je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu. Je suis trop fort. Vous avez vu un peu? Eh, je suis pas trop bon. Bah oui, mais moi, je me le fais pas dégoûter. Alors, vu que là, on est un peu en intérieur, on va prendre le P90, sauf qu'on va pas faire la même bêtise que tout à l'heure. On va changer de mire. On va prendre à courte portée. J'aime bien en plus le P90, je l'aime. J'aime bien cette... Moi je suis un fou. Moi j'ai rien de dangereusement. Oh! Il a fait le petit saut de biche, vous avez vu? Ouh! Et du coup je suis plus en positif là, je fais du 6-6. Bientôt du 6-7 puisque je vais mourir. Je vais. Enfin, je vais réapparaître. Voilà, 6-7. Bravo, Tessan, bravo. Bravo, tu es mauvais. Allez, pour la peine, on va prendre un petit truc comme ça là, un truc qui vole avec des ailes. Et on va voir ce que ça donne.
J'adore le bruit. Attention, je te pète à la gueule. Si ça te pose un problème, c'est pareil. Toi, le 4x4, tu vas manger. Oui, parce que... Oula! Parce que je suis pas passé loin. Putain, mais les Chinois, ils font vraiment de la merde. Je vois pas d'hélico ou truc comme ça, là, c'est pas marrant. Attends. On va reculer pour avoir une bonne vision de la map, vous voyez, une bonne vision hein, comme il faut. Comme il faut, comme il se doit. On fait demi-tour. On aligne. Oh putain, lui. Oh la salle. Non. Je l'aurai. Non! Bah là il s'est fait plaisir là. Il s'est dit lui, il est à moi. Le problème c'est que comme je joue très très mal, chose qui a le don un peu de m'agacer, si vous voyez ce que je veux dire, bah, j'ai du mal à débloquer les choses. Vu que je suis tellement mauvais. Surtout en fait je suis mauvais en véhicule. Pourtant dans le 3 j'étais pas si mauvais que ça en véhicule, je me débrouillais plutôt pas mal. Mais maintenant c'est une catastrophe. J'ai failli me faire descendre. Putain, wow! Là, vous allez certainement vous détendre. Hein. Pourquoi je me fais tirer dans le dos? Putain, c'est un pote. C'était pas un pote. Mais j'ai plus. Ah putain. Donc, d'où il me voit derrière le mur? Mais bien sûr! Mais tout à fait! Mais le P90 c'est bien, mais par contre à longue portée c'est vraiment de la merde. Donc on va se remettre en carabine à CWR pour l'instant, c'est celui que je. Enfin maîtrise, c'est un grand mot, mais c'est celui que je. Dont j'arrive le mieux à maîtriser. Voilà. Allez, maintiens! Touché, véhicule détruit, en plus je t'ai niqué. Voilà. Ça c'est la vie, c'est comme ça, je spawn, je te bute. Et là-bas j'ai cru que c'était un mec. Moi je traverse normal, parce que je suis un malade dans la tête. Je vais crever là si je suis. Ah c'est bon, on l'a récupéré le point, les gars. Non, il y a un mec qui est encore coincé dans les débris, il sait pas où il va, il sait pas ce qu'il fait. Oh putain, ils sont 15 000 là-bas. Il y a moyen de se faire un petit kill. Moi je veux bien des hélicos. J'aime bien protéger. J'aime bien les missiles solaires. Oh, je suis touché. Et j'aime bien utiliser aussi un petit peu comme ça, faire le mec, ouais, je connais, moi, je... Bon, lui, il est mort. Ça, au moins, c'est clair. Et putain, on se fait laminer, mais vous avez vu à quel point on se fait laminer? Les mecs, ils arrivent à tenir, mais c'est parce qu'ils jouent en fait beaucoup. Non, là faut arrêter les bêtises, faut arrêter tout de suite les bêtises. Hein. Johnny Seven, excuse-moi, mais là je suis tombé face à une team en même temps, je viens de me rendre compte là, à l'instant, et là c'est juste dégueulasse. Donc moi aussi je vais sortir mon gros calibre, et tu vas la sentir, ok? Parce que moi aussi je peux jouer au sniper. Après, est-ce que j'arrive à sniper? Ça c'est autre chose, mais je peux jouer au sniper. Parce que moi je suis tellement mauvais que je vais faire de ça. Voyez, déjà je me fais déjà tirer dessus. J'ai même pas le temps de dire ouf que on tire dessus. Et comme perso, j'ai pas envie de mourir. Ok, je suis déjà mort. Oh putain, le mec! Oh là 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 là! Eh mais ils sont trop bons les gars quoi. Ils ont fait ça toute leur vie quoi. Il va nous récupérer le point tout seul le gars quand même hein. Là, je pense qu'il y a un réel problème dans le pâté, là, c'est... Soit ça devient physique, soit il y a quelque chose, en tout cas, partie de merde, hein, je tiens à le dire. Mais je filme quand même, je m'en fous, moi, je m'en fous. Je n'ai absolument aucune fierté. Je m'en tape les noix, je fais du 4x4 alors qu'on est dans BF, parce que c'est comme ça. Voilà, moi, je fais des tricks, je me suis pris dans GTA.
En mode, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un gros SUV. Mais non. Ah non, mais le mec, il va pas faire ça tout le temps. Surtout derrière, comme ça. C'est pas... Non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Soit le mec... Je veux pas être... Je ne veux pas être comme ça. Hein, mais soit le mec... Soit le mec, il a pris de la coke. Et il y a un problème. Soit le mec, moi, je vais le déloger tout de suite. Tout de suite, parce qu'il vient juste de me gaver. Mais à mon avis, soit c'est un chicker. Mais bon, je n'aime pas utiliser ce terme, parce que on n'a pas non plus tout le temps, ça fait un peu rageux. Ouais, soit c'est un chicker. Tiens, si c'est un chicker. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le mec, il fait du combien, là? Juste pour voir. Hein. Il loot Rema 90. Il fait du 16-4. Bon, c'est encore possible, hein, je vais pas... Mais là, non, là, pas trois fois de suite, quand même. Allez, si les mecs ne meurent pas là, je... Moi je comprends plus la guerre. Bah je ne comprends pas. Moi j'arrête. Hein. Je pense. Solid Strike. Encore lui. Encore lui, normal, le mec il arrive, il te bute. Alors, on va voir si moi personnellement, je peux faire quelque chose. En tant que sniper, à 300 mètres du mec. Sachant qu'il n'y a pas trop de points de spot à côté du spawn. On va voir. On va voir si moi personnellement, je peux faire quelque chose. Je garantis pas, parce que si encore. Ouais, mec, on tire déjà dessus. J'ai même pas le temps de faire quelque chose. Je viens juste de spawn. Hein. Tranquille, les gars. Alors, soit on me tire de là-bas. Alors là, les gars, ils tirent à 2,5 km. C'est possible, hein, mais bon. Encore une fois, j'avais des soupçons. Le point E est ici. Or, pour l'instant. Alors, attendez, parce que là, j'ai 2x6, 2x12. Ouais, elle me fait déjà tirer dessus. Mais c'est pas possible. Mais c'est. Mais ils sont où? Sinon, je bouge plus, je vais me faire headshoter. Ça fait. Headshot. En plus, j'ai le sniper de base. Je suis vraiment au début du jeu, hein, on va dire. Autant j'ai fini la campagne en difficile, autant je n'ai strictement rien débloqué dans le jeu. Y a-t-il un petit Gugus qui veut bien montrer sa tête? Oh, lui, bah. Oh putain, j'ai fait niquer. Non, il s'était caché, voilà, parce qu'il savait pertinemment. En plus, j'ai pas une longueur assez longue. Ouais, non, mais là, faut arrêter. Non, tu peux me toucher. Tu tires. C'est la guerre. Ah, je suis trop loin. J'ai mis trop élevé. Je vois pas où ma balle va, en fait. Il est là, mon problème. On va faire une petite astuce de sniper. Non. Oui, non, il m'a vu. Wow. Non, 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 non. Non, non, là, c'est une bataille de sniper à sniper. Donc, vous faites pas les bâtards. Je l'ai vu, je le vois, en plus. J'ai vu sa petite lampe. Putain, merde, j'ai vu sa petite lampe de pédale. La balle fait... Ah bah, j'aurais pas eu le temps. Bon, bah voilà les amis, je pense qu'on va se laisser sur du Battlefield 4 là, parce que je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question en ce qui concerne cette map et cette partie de merde, je tiens à le dire. Enfin, voilà. Donc sur ce les amis, je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et en plus, vous aurez une vidéo avec ma face. Donc voilà. Donc sur ce, bah à bientôt, et puis...
bonne vidéo à tous, et puis continuez à me regarder comme ça, et continuez à me laisser des commentaires, un max de choses, comme ça j'adore. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, salut tout le monde!